Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite des Ombres de Rose. Comme d'habitude, installez-vous confortablement, 4K, 60 FPS, un petit truc à boire et à manger. Et on est reparti pour la suite. Souvenez-vous, on avait enfin la clé à 3 œils. Voilà, on avait dit qu'on l'appellerait comme ça dorénavant. D'ailleurs, là, ils ont libéré le passage ici. C'est incroyable, ça fait extrêmement plaisir. Et on était parti. Il fallait aller non seulement par ici, puis à gauche. Par contre, à gauche, ça a été un peu détruit. Donc, à la limite, qu'on tournait... Ok, j'ai esquivé. Pardon. J'esquive, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Ils ne savent pas passer des portes. Et ben voilà. Je vous avais dit que tout irait bien. Bref, j'espère que vous avez pris un petit truc à boire et à manger. On est parti pour la suite. J'étais déjà passé ici, moi. Y'a quoi là-haut, là? Ah, y'a une porte. Attends, c'est incroyable. C'est un aller simple pour l'enfer, peut-être. Je ne sais pas. Plongez-vous dans le noir. Évidemment, un casque ou des écouteurs, parce que c'est toujours plus cool d'avoir un casque ou des écouteurs. Ou vous pouvez avoir les deux aussi. Pardon. Ok, c'est bien ce que je pensais. J'ai eu un petit moment de doute. Et là, c'est verrouillé, mais je suppose qu'on va le déverrouiller de ce pas avec ce qu'on va vivre un petit peu plus bas. Let's go. J'ai un très joli manteau, en tout cas. Hein. Petit parc là, ça c'est du... Les gars, c'est du Kiabi. Hein. Je m'y connais. Allez, ouvre-moi tout cela. C'est déverrouillé. Ah. Ah. Ok. N'oubliez pas que j'ai le fusil à pompe. Et c'est tout. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelque chose, mais alors ça me paraît un peu trop loin. Peut-être en montant sur ça. Petite technique australienne. Non, vraiment, ça veut pas. Oh, t'abuses. Ah oui, d'accord, ok. Je dois faire tomber les objets. Superbe, j'ai compris. Ça veut pas faire d'effort. Est-ce que c'est le dernier masque? Ok. Alors, quelque chose me dit qu'il y a peut-être supercherie. Superbe, ça. J'apprécie. Très bien. C'était évident. On va prendre ça. On va prendre ça. Ah non. Oh, les problèmes. Ok. On s'en supplie. Quand on attaque, l'Empire contre-attaque. Ils sont beaucoup trop nombreux. Allez faire le tour. Allez faire le tour, j'en étais sûr. Attends mon pote. Boum. 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 Et là mon gars. Boum. Je sais même pas si dans la tête c'est plus efficace. Ok, une petite épaulée, ça fait de mal à personne. Oh la vache. Ok. Très bien. Ah, incroyable. En fait, je peux m'amuser à les faire tourner à l'infini et l'au-delà. C'est fou. Qu'est-ce qu'on a là? Des munitions pour pistolet? Ils ont pas l'air de me suivre. Ok, ils me suivent totalement. Bien. Quelqu'un veut me tester ici? Là, je comprends pas. Là. Je ne comprends pas. D'accord, j'ai compris. Salopard. Il faut que j'aille en bas, que je fasse tomber le bordel. Ça va faire tomber le troisième piano. Bordel de merde. Vous êtes des génies, les gars. Allez, on fait tout le tour. On fait tout le tour, on va essayer d'économiser des balls. Parce que j'aime économiser des balls, ok? Et on est reparti. On est reparti. Il doit y avoir d'autres noyaux ici. Je sais. Bouge pas, je t'en supplie, Bibiche, ne bouge pas.
Parce que là, c'est un coup de génie. Un coup de génie. C'est un putain de coup de génie. Il est en... Oh non, il est en haut. Oh non, il est en haut. Il a pas l'air d'être en haut. Il a pas l'air d'être en haut. Il était redescendu en bas. C'est un putain de coup de génie. Je l'avais pas vu cette petite porte. Ça fait plaisir maintenant. Ok, tranquille. Tranquille. Oh 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 oh. Tranquille. Je voulais voir ce qu'il y avait au fond. C'est terrible. Ok. On est reparti. J'ai fait 8 fois le tour. Ça fait plaisir. Ok. Let's go! C'est bon. Quoi encore? Le tonneau. Tu bats le tonneau. Yes. Ok. C'est un petit peu du hasard. J'avais presque le temps de tous les faire. Next one, pardon. J'ai rien dit. Il ne reste plus qu'une minute. Tu ferais bien d'accélérer. Mur détruit. Au fond, dans l'obscurité. Mur détruit. Gros noyau. Ça je fais. Mur détruit, gros noyau. Merde, il manquait plus que ça. J'en ai encore. Ok. Vas-y, Bibiche. Vite. Très bien. Quoi? Suis mes mots, par ici, plus haut. Ok, j'ai. J'espère que c'est le dernier. Et ben voilà. Ok. Bon, c'était pas très difficile. Ça y est, c'est fini.
Ça va qu'ils ont pas mis une pression pour rien. C'est pas comme la pièce dans Resident Evil 4, souvenez-vous, avec les pics qui descendent, si tu ne trouves pas très rapidement, bah t'es bon. Donc c'était ok, tiens. Tu as réussi. Mais ouais, mon pote, je suis une machine de guerre. Ok, on va save. Let's go. J'aurais rien pu faire sans toi. J'aurais préféré une médaille, mais... Bon, c'est mieux que rien. Ouais, cousine... Je sais pas ce qu'on fait avec une médaille, bichette, hein, Rose, hein, mais là, on... pas grand-chose, de toute évidence. Hein. Voilà, ça me plaît. Et ça me plaît, mon petit pote. Ok. Putain, ça sent pas bon, toutes ces conneries. Ça sent pas bon, tout ce merdier. Ah ouais, quand tu donnes des balles de pompe comme ça, mon ref, c'est que ça va cartoucher sévère. N'oubliez pas qu'il y a le gros balèze, on peut rien faire. Attendez, les gars. Hop. Évidemment, une sauge. Ok. Très, très bien. Commence à avoir la bouche un peu pâteuse. Un peu de ferraille. Pardon. Qu'est-ce que je peux fabriquer? Bombe artisanale. I take it. Immédiatement. Immédiatement. Ok. Petite bombe artisanale, ça sauve des vies, je vous le dis. Ok. On va peut-être pas abuser avec le fusil à pompe. Très bien, on est bien. On est bien, j'aime bien. Ok, là, qu'est-ce qu'on a? Que dalle. Très bien, on se casse. Bon, on s'en est bien. Oh, toujours la balle de trop! Je n'arrive pas à prédire quand ils sont morts, c'est terrible! Ok, c'est la première fois qu'on vient là, je crois. Oh la vache, le nombre de cartouches de pompe! Mais qu'est-ce qui va se passer comme guerre? Suis-je vraiment prêt? Ah, ça y est, on a enfin déverrouillé. Salle d'opéra dans la cour. On a oublié un item ou deux. Vous savez, quand c'était à l'étage et que j'étais poursuivi. Hein. Mais là, là j'ai assez la gueule pâteuse, mon pote. Tu y es presque. Oh, ça sent pas bon. Oh, ça sent pas bon. Oh, tu le sais que ça sent pas bon. Oh, ouais. Tu le sais. Je vais enfin pouvoir dire adieu à mes pouvoirs. Non, Rose, même faut surtout si quitter ce monde. D'un autre côté, comme j'ai toujours vécu avec, ça me fait un peu bizarre de m'en séparer. Ah. Je sais. Je sais. On va save. On va save, les amis. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. LSC, mais moi, je sais toujours pas. Ça sent la cartouche. Ça va cartoucher. Ça risque d'être terrible. Ou alors, c'est un fake. Ça me paraît trop facile. Ok. Ça me paraît vraiment trop facile. Bravo, ma petite. Tu as largement mérité cette récompense. C'est plutôt bien imité, n'est-ce pas? C'est un faux, bien entendu. Un objet d'une telle valeur ne se trouverait jamais dans cette strate. Tu as vraiment cru que j'allais te donner quelque chose de si précieux? Il me fallait bien un appât pour ce piège. Non! 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 Voici le moment tant attendu et l'endroit parfait pour ta mort. Que le spectacle commence! Ah! Ah,
quand on attaque l'Empire. Spin, contre-attaque. Ok. Je n'ai plus de quoi contre-attaquer. Voilà, ça, c'est... Ok, rien. On s'en remettra. Un visage sur la gueule. Ok. Je pensais plus combatif que ça. Cours, petit lapin, cours, cours, cours. Non, 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 non. Ok, ça va, c'est ok. Oh non. Ok, je suis un monstre. Ça sent pas bon. J'admire ta ténacité. Ça sent pas bon. Aussi. Quelle histoire, mes aïeux. Il faut que j'arrive à lui faire mal. Allez, je t'en supplie. Bah voilà. Oh, j'ai réussi. C'est dur. Hein. Oh, oh, voyez-vous ça? Ce tempérament de feu contraste avec celui des autres lapins. Comment ça devient? Il est temps de mettre un peu de piment. Pardon? Pardon? Oh les gars. Oh les gars, les gars! Mais ouais, mais je sais. Bah ouais, mais... Oh non, mais... C'est bon! Stop, frère! Mais c'est trop! J'adore voir les petits lapins se débattre. Quoi? Oh la vache! C'est trop, frère. Ça n'a aucun sens! Oh là là! Oh là là! Non, c'est trop. C'est. Voilà, c'est. Je le dis. Je le dis, c'est trop. Ne la laisse pas s'en tirer comme ça. Non, non. Mais sérieux. Tu peux rien faire, frère. Tu appelles ça un spectacle? Allez, donne-moi un méga pouvoir là, parce que là, je suis à deux doigts de bouillir. Ça c'est... Ça c'est le problème. Ok. Bah c'est super. Je ne peux rien me faire. Oh là là. Assez tergiversé. Qu'on en finisse. Oh là là, oh là là.
m'emmène où? Il m'emmène où, Miskine? Ok. J'ai plus le pouvoir, les gars. J'ai plus le pouvoir, les gars. Ok. Mais qu'est-ce que tu veux faire contre ce bordel là? Ok. Je comprends pas, frère. Beaucoup trop fort. Ce mec a créé. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Troisième truc pour ce boss. Voilà. Oh la vache. J'ai cru qu'on n'arriverait jamais à voir le bout. C'est terrible. Je m'attendais à beaucoup mieux de ta part. Peu importe. Ton anéantissement est inévitable. Je veux pas partir. En tout cas, pas sans le cristal. J'en ai marre d'être un monstre. Je veux des amis. Je veux vivre une vie normale. Sans ce... fléau. Et si ce cristal purifiant peut m'y aider... et me rendre normal... je m'en irai pas avant de l'avoir trouvé. Ouais, et alors ? On est d'accord. Ok, donc une strat, si j'ai bien compris, c'est l'équivalent un peu d'un étage, un rêve dans un rêve. Moyen de reculer, j'imagine. Ok, explorer les lieux. J'ai toujours mon pistolet. J'ai plus de balles de pompe, et ça c'est bien triste. J'ai pas de couteau, ça c'est encore plus triste. Oh, c'est mignon. Je sais où se trouve le cristal. C'est quoi ça? Ça c'est une arnaque, c'est un scam. Ok. Oh, la maison Beneviento? Non. Ce serait fou. Tu veux bien être mon ami? La maison Beneviento? C'est par ici qu'il y avait la maison Beneviento! Je vous le dis! Jouons. Ok. Ces singes me disent clairement quelque chose, mais... c'est quoi ce bordel? Il y avait même un boss ici qui nous faisait tourner en rond, souvenez-vous.
Bon, on l'a démonté, évidemment. Il n'en fallait pas moins. Ok. Oh, attends, c'est la maison Beneviento. Je me permets d'insister sur les termes. Mais c'est terrible. Il y a quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qui se passe? On suit une peluche en singe, hein. Quelqu'un veut me bloquer. Oh non. Il y a quelque chose qui a changé. Oh non, de retour dans la maison Beneviento. Ok, ça s'arrange pas. Bon. Écoutez, on va s'arrêter là. Et puis, on va découvrir cette maison lors du prochain épisode. Et quel enfer. C'est sûrement le tableau. Il est fermé à clé. On est de retour. Oh, il y aura encore le bébé, vous croyez? Ça a l'air bloqué par la rouille. Mon Dieu, c'était horrible ici. 5 janvier aujourd'hui, c'était mon premier jour d'école. J'ai toujours voulu y aller. Je vais faire un gros câlin à Chris la prochaine fois que je le vois. Il y avait plein d'enfants de mon âge. C'était comme à la télé ou dans les livres. J'avais un peu peur quand je me suis présenté. Mais j'étais quand même super contente d'être là. J'espère que je vais me faire plein d'amis. Demain, j'essaierai de leur parler. 8 janvier, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai abordé d'autres enfants, mais personne ne veut me parler. Ce qu'on fait à l'école est super facile, c'est que des trucs que j'ai appris avec maman, mais peut-être que je devrais pas répondre à toutes les questions de la maîtresse. Le garçon derrière moi dit quelque chose de vraiment pas sympa. Mes mains sont pleines de sueur blanche quand je panique, aujourd'hui c'était terrible. 10 février, la maîtresse m'a grondé parce qu'elle en a assez de me voir trimballer un mouchoir tout sale comme si j'étais un bébé. Les garçons n'arrêtent pas de dire que je suis dégoûtante, alors je prends un bain tous les soirs, que mes vêtements sont toujours propres et que je change de mouchoir tous les jours. Tout ça à cause de cette fichue sueur blanche qui sort de mes mains. En général, je la nettoie tout de suite, mais quand ce n'est pas possible, je serre mon mouchoir très fort. Chris a dit à la maîtresse que cette sueur n'était pas contagieuse, mais ça n'a rien changé. 4 avril, quelqu'un m'a enfin parlé. Lucie, qui est dans ma classe, a dit qu'elle avait toujours voulu être mon amie. On va manger ensemble demain midi. J'arrive pas à y croire, je suis trop contente. J'espère que Catherine, l'amie de Lucie, sera aussi ma copine. C'est... Bon. C'est ton journal intime, petite. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite dans la maison Beneviento, encore une fois. Je vous fais des gros bisous. C'était une sacrée maison qui nous a bien fait flipper à l'époque de Resident Evil 8. À demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.